Dans l'épisode précédent, on a fait un maximum de potions de vie. Regardez-moi comment elles sont belles. Là, on va améliorer la base. On va mettre une armoire et deux mortiers en plus pour avancer plus rapidement au niveau de la création d'argile. Parce que oui, c'est très lent sans la botchimie. Du coup, on fait comme on peut. Là, on va fouetter notre ami de Dicurus Mama. On va lui dire de farmer un maximum et tu vas vite farmer et plus vite que ça. Une fois avoir bien farmé, on a un maximum de sable et ça, ça fait plaisir. On les met dans les mortiers et à l'aide de notre cher ami le parosaur, on va tout simplement faire du cactus. Oui, c'est assez facile. Merci à toi, mon ami, pour tout le cactus que tu vas nous apporter. Et là, le gerbois nous fait un petit bruit et nous avertit d'une tempête de sable. Et hop, ça arrive plus vite que prévu. Mais au moins, on est dans la base, on est caché. Ah, le tornidragon, on est parti farmer du bois, mais finalement, ça donne beaucoup moins que la hache. Fichu tornidragon. Au moment de sauter, un raptor me saute dessus. Mais qu'est-ce que je déteste ces bêtes. Elles sont vraiment les pires créatures du monde. Du coup, on commence à fighter avec lui. On tourne autour. On voit bien qu'il nous défonce. Du coup, on prend la bolasse. On va lui mettre une petite bolasse pour pouvoir l'immobiliser. Et on va le finir tranquillement avec le tornidragon. Fichu raptor, je t'aime pas du tout. Une fois qu'il est mort, on commence à enchaîner des kangourous. On les tue. Et on va récolter leur fourrure. Pour faire la saddle du Procoptodon. Ah, enfin la fourrure et enfin la saddle de Procoptodon. Ça, ça fait plaisir parce que je peux vous dire que sur Scorch, la fourrure, c'est une catastrophe. On va mettre la saddle au kangourou et maintenant, on peut se balader tranquillement à l'aide du kangourou. Et là, regardez-moi ces jumps. Magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau, ce magnifique kangourou. On va prendre des Explorer Notes. Regardez-moi cette petite box qui va nous donner de l'expérience. Et ça, ça fait plaisir parce que le kangourou, il n'est pas facile pour tuer des dinosaures et pour le faire pex. Donc, c'est vraiment la solution parfaite pour le kangourou. On monte à l'échelle et là, on va crafter des fondations pour pouvoir améliorer la base un petit peu plus sainement. Donc, on crafte des fondations en sable parce que oui, je suis pointilleux sur cette aventure. Je veux que ma base soit tout en sable pour qu'elle soit magnifique. On redescend au niveau de l'échelle et là, on reprend notre ami le kangourou. Pour pouvoir aller faire du métal, parce qu'il nous faut vraiment beaucoup, beaucoup de métal, les amis, dans cette aventure. Sur la route, on croise une wyverne, et je peux vous assurer qu'une petite wyverne de poison, ça donne pas envie, du coup, on l'esquive et on arrive directement au métal. Arrivé au métal, on va sortir la petite pioche, une fois qu'on s'est assuré qu'il n'y ait pas de danger, et là, on commence à taper le caillou de toutes nos forces. Oui, on tape, et on fait un maximum de métal. Du moins ce qu'on peut, le temps d'avoir un Argentavis et un Ankylosaure. Là, j'entends notre ami le gerbois qui nous fait encore une petite sonnerie. Et on est en pleine tempête de sable. Du coup, on va se mettre au bord de la falaise pour éviter tout agresseur. Et là, on va tout simplement attendre le plus longtemps qu'on peut jusqu'à que la tempête de sable s'arrête. Malheureusement, j'ai soif. Et forcément, je n'ai pas d'eau avec moi ni de baie pour pouvoir enlever cette torpeur. Et là, je m'endors comme une merde. Mais c'est pas grave, on meurt pas, au moins on remonte avec le kangourou une fois la tempête de sable terminée. Et ouf, ça fait du bien. D'ailleurs, je pense que pendant cette aventure des tempêtes de sable, on va en croiser une multitude. Et nous voici enfin à la base pour pouvoir ramener le métal au chaud. Et ça, ça fait plaisir, on a un petit peu de dépannage. Et là, déjà, on va pouvoir tout mettre dans les forges. Parce que oui, du métal, il nous en faut beaucoup. Surtout pour avoir des outils, des armures et des armes. Le métal est une denrée rare. Là, on va prendre le kangourou pour pouvoir faire du cristal parce qu'il me faudrait une longue vue et 2-3 bêtises, un petit peu d'obsidienne pour des boulets de canon par rapport au golem. Donc on tape ce qu'on peut et on repart avec notre cher ami le kangourou. Au passage, on fait un peu de bois et de branchage pour pouvoir améliorer la base parce que du bois, tant qu'on n'a pas de tronçonnette, il nous en faut. On fait aussi des baies à l'aide du kangourou et franchement, il est multitâche. On apprend la longue vue et là, on va s'en crafter une petite. Et ça va faire vraiment plaisir parce qu'au moins, on va pouvoir voir les dinosaures de loin. Et là, ça va déjà nous avancer très sérieusement. Maintenant qu'on a la longue vue, il y a une étape importante qui me tient à cœur et c'est la coupe de cheveux. On va absolument avoir besoin d'une belle coupe de cheveux pour cette aventure. Et je pense que la coupe qui nous convient le mieux pour cette aventure, c'est forcément la Viking. Parce que oui, elle est entre nous vraiment badass et vraiment stylée. Donc on opte pour ça. Une fois avoir choisi notre coupe de cheveux, on va vite à la recherche d'Argentavis. Et là, au premier abord, à côté de la base, il y a des Argentavis corrects. Mais je veux vraiment un Argentavis HL 130 et plus. Et malheureusement, les amis, je ne trouve pas mon bonheur.
Oui, fichu argent à vis. Fichu piaf, il y en a partout. Mais le level, c'est très compliqué. On est parti de lobby rouge jusqu'à lobby bleu pour pas en trouver pendant très très longtemps. Et je peux vous assurer que sur ce coup-là, on a été vraiment poisseux. Regardez-moi tous ces argent à vis. Il y en a partout, mais il n'y en a pas un HL. C'est incroyable. Là, en plus, arrivé à lobby bleu, on va encore tomber parce qu'on n'oublie pas les bonnes manières sur une belle petite tempête de sable. Oui, ça fait vraiment, vraiment plaisir les tempêtes de sable. On va s'en manger une multitude. De là, on repart après la tempête de sable de lobby bleu et on va repartir encore à la recherche de notre Argentavis. On le veut, cet Argentavis. On veut un HL le plus haut possible pour pouvoir farmer correctement. De là, je me balade dans le désert pour reprendre des notes avec le kangourou pour pouvoir le faire pex encore beaucoup plus, car franchement, il mérite. Et franchement, c'est notre petit chouchou. Grâce à lui, on peut se balader. Et enfin, on a trouvé l'Argentavis au bord d'une falaise qui nous correspond. Et là, ça fait vraiment plaisir. Du coup, on a fait un piège, hein, un par un, pour pouvoir le cage. On essaye de l'agresser pour qu'il nous suive avec le kangourou. Et là, il va enfin prendre l'aggro et on va pouvoir le ramener dans le piège. On se fait agresser par un serpent, sinon c'est pas marrant. Du coup, avec le kangourou, on fait un petit demi-tour. On va sortir notre arbalète. Et là, on va lui mettre une flèche dans l'œil gauche, une flèche dans l'œil droite. Et hop, un petit sac à main. C'est tout fait, tout prêt, tout payé, c'est tout gratuit. Merci à toi. Là, on enferme l'argentavis dans le 1 sur 1 en pierre. Et on va pouvoir tout simplement l'endormir à l'aide des fléchettes. Bien évidemment, on est sur Scorch et il y a encore des galères. On a des corbeaux qui nous attaquent. Ah, ces fichus corbeaux, je les déteste parce qu'ils tapent directement sur le joueur. Et notre armure prend cher. Mais du coup, on reste loin. Et au moins, bah, comme je dis toujours, ça fait plaisir de rester loin des dinos agressifs. On endort tranquillement l'argentavis. On met du bois dans le kangourou. Parce que oui, à lobby bleu, il y avait des bons arbres pour faire du bois. Du coup, j'en ai profité pour faire un maximum de stock. Et là, on rentre à la base pour safe tout ça. Et ça, encore une fois, les amis, ça fait vraiment plaisir. On va safe tout le bois. On va le drop devant nous avec le kangourou. Et comme ça, l'objectif, c'est de tout ramasser rapidement avec la touche F pour pouvoir tout mettre dans la forge. Comme ça, au moins, avec le bois, le métal, il va cuire. Et en plus, en attendant, ça fera aussi du charbon. Donc, on met tout dans la forge. Et là, on est parti pour de nouvelles aventures. Il va nous falloir de la sémantique passe et quoi de mieux que des mantis pour en faire. Mais je me dis que ces mantis, elles sont un petit peu trop badass pour moi et le kangourou à l'heure actuelle. Du coup, on verra un peu plus tard, mais vous inquiétez pas, vous perdez rien pour attendre. On va vous faire la peau tôt ou tard. Donc on va s'apprendre un plus faible que nous. J'aime pas trop dire ça, mais c'est la vérité. Du coup, on va les tuer du scorpion et de l'arthroplura. On va les mettre des flèches de loin parce que oui, je veux pas m'approcher d'eux non plus. Donc on leur tire des flèches et là on va tuer un arthroplura et on va faire un petit peu de cheating parce que vraiment la sémantique passe c'est une denrée rare pour le moment et il nous en faut absolument si on veut avancer. On reprend le kangourou, on va aller chercher notre argentavis. Alors il faut savoir que quand il n'y a personne dans la zone, tous les dinos se figent, c'est pour ça qu'il ne s'est pas fait attaquer. Une fois apprivoisé, on l'a bien mérité, on va le prendre avec nous, on lui met la saddle. Et là, ça va faire vraiment plaisir parce qu'il a quand même pas mal de poids pour un orgy. Et du coup, le farm va être beaucoup plus intéressant avec un argentavis. On rentre à la base, on le save avec notre kangourou en follow. Vu que c'est la tombée de la nuit, on en profite pour rappeler ses kills patrons aux viewers. Parce que oui, tous les dinosaures portent le nom d'une personne sur mon live. Tiens, Shay, prends quelques patates et rappelle-toi ses kills patrons. En attendant, l'objectif, c'est de faire un fusil à pompe. On va faire une faucille et on va aller farmer de la fibre pour nous remplir au niveau de cette ressource. Parce que oui, avec une faucille, la vie est beaucoup plus belle. Donc on fait un gros stock à la faucille pour la fibre. Et là, on va pouvoir enfin se faire un fusil à pompe. Oui, je sais, la fibre n'a rien à voir avec le fusil à pompe. Mais on peut se le faire et ça fait vraiment plaisir. Petite saddle d'ankylosaure, on va farmer du silex et de la pierre. L'objectif, c'est de faire de la poudre d'étincelle et qu'avec le charbon, avec le bois qui a cramé, faire de la gunpowder. Et on peut enfin se faire des balles de fusil à pompe. Et là, on sent qu'on passe déjà à une étape supérieure dans le game. On a déjà une arme qui fait beaucoup plus de dommages. Regardez-moi comment on est badass maintenant avec le fusil à pompe.
Là, avec l'argent de Tavis, on va tuer les raptors qu'il y a devant chez nous. On en profite pour récupérer ses électroniques, vu que c'est un raptor tech. Et on a trouvé une tronçonneuse. Du moins, on l'a fabriquée. Et là, regardez-moi le bois qu'on fait. Ça n'a plus rien à voir avec la hache. De retour à la base, on tombe sur une tempête électrique. Je voulais absolument récolter un parasaur, mais malheureusement, il faut attendre la tempête. On ne peut pas activer la tronçonneuse pendant la tempête. Et là, je suis étonné de la peau qu'on fait, mais on va pas dire non. Du coup, on commence à se faire un lit. Et là, j'ai une idée un peu folle dans ma tête. C'est de mettre des lits à tous les points où il y a des drops rouges dans le désert. Et de se téléporter de box en box pour pouvoir toutes les heures aller chercher des loots rouges. Parce que oui, je sais que ces loots rouges peuvent nous donner du stuff vraiment intéressant pour cette aventure. Et j'ai envie de prendre le risque de pouvoir aller en chercher à chaque fois. Du coup, je prends énormément de temps à faire ça. Je peux vous dire que ça se compte en heures. Je mets toutes les coordonnées sur ma carte. Oui, je ne les connais pas par cœur, donc forcément, je les regarde sur Internet. Et là, le premier loot rouge, il me déçoit clairement. Saddle de Belzébufo, saddle de Ratser, ça ne me sert complètement à rien. Mais c'est un premier loot rouge, on en chope un deuxième où on a un BP de Paracer et un truc en fourrure qui ne me sert aussi à rien. Du coup, sur le retour, on a vraiment trop chaud, donc on fait une petite baignade à l'Obé Rouge. On fait bien attention parce qu'on sait tous qu'avec les petits crocodiles, on n'a pas envie de les croiser. On reprend l'argent Tavis et là déjà, on voit un petit peu plus clair autour de nous. Et comme je dis toujours, ça fait vraiment plaisir. On tombe sur une oasis où il y a pas mal de silicates perles. Et je peux vous assurer qu'on va pas hésiter une seule seconde. On va commencer à faire du stock. On sort notre fouet, on tape partout. Et on récolte toutes les perles qui peuvent se trouver dans cette oasis. Et franchement, ça fait un bon petit stock. On a plus de 1000 perles en 2 secondes déjà. On dit oui, clairement, parce qu'il nous faut vraiment du stock. On tombe sur un drop rouge et on prend le BP d'Arc Compo. Pour la saddle de Giga, elle nous sert à rien parce qu'on se trouve sur Scorch et il n'y en a pas. Mais bon, j'espère que le prochain coup, on tombera sur un fusil à pompe. Avec l'argent Tavis, on cherche directement un Megatherium parce que je sais qu'il se trouve à peu près à côté de l'Obby Vert. Et là, on va tomber sur un petit 90 et on va se dire clairement que le 90, ça va être notre Megatherium de notre aventure. Du coup, on va commencer à clean ses congénères pour pas qu'ils nous embêtent. Et là, un golem nous saute dessus. Mais ça va, je me sens assez safe avec notre argile. Du coup, on va tuer tranquillement le Megatherium level 10. Et on va commencer à tuer tous les dinos agressifs tels que les Daéodons. On sait tous que quand ils nous ont pris pour cible, c'est la galère de s'en débarrasser. Alors, on prévoit le truc, on le chope, on le bute, on en fait du cochon. Et là, une fois qu'on a clean toute la zone, on peut enfin passer à l'étape d'enfermer le Megatherium avec des panneaux en bois pour pouvoir le tamer. On l'encercle de panneaux en bois. Bon, là, vous le voyez directement, mais j'ai bien galéré. On lui met des flèches de tranquillisantes et là, il va s'endormir. Et ça, comme je vous dis toujours les amis, ça fait plaisir. On va se crafter des cryopodes, comme ça au moins, on va pouvoir tranquillement Pokéball tous nos dinos. Et pour faire des caves, ça va être très important. Donc on en fait une. Et là déjà, il y a un petit voleur qui essaie de me piquer des choses. Donc on lui met une petite flèche, un petit coup de fusil à pompe dans les fesses, il meurt. On récupère notre cryopode et là, on va commencer à tuer Duracer pour lui donner de la prime au Megatherium parce que c'est franchement long un Megatherium, donc on va lui en donner le maximum qu'on peut. Heureusement, le Racer nous donne pas mal de viande, il est tame, et là déjà, on se sent déjà un peu mieux. On a un joli Megatherium et il y a plein de projets qui arrivent avec lui. On va lui mettre une petite saddle, on va commencer à aller le faire pex, et comme ça déjà, on a un petit guerrier, on l'a appelé Braca. Et là les amis, notre idée de mettre des lits est une catastrophe. Quand je me TP dans les box déjà d'une, il fait super super chaud et malheureusement ça ne marche pas. Donc du coup je me dis que mon idée à l'époque elle marchait très bien. Mais soit je fais quelque chose de mal, soit il y a eu une mise à jour parce que ça ne marche plus. Donc du coup là, direction l'artefact des amis. On prend l'argent Tavis, on va dans le canyon et on va au premier artefact à côté de l'Obby Rouge. Que je ne connais pas du tout quand la cave est pas bulle. Parce que sur officiel quand je joue dessus... Mais elles sont toutes, enfin, du moins, elles étaient toutes prises. Et du coup, je suis pas un pro des caves. Donc du coup, on va voir ça ensemble, comment ça se passe. Donc on prend le Megatherium, on fonce, et là, il passe. Et on va commencer à attaquer le premier artefact. On marche dedans. Là, je vois pas de dino. Donc j'ai l'impression qu'en solo, quand on n'a pas chargé les caves, il n'y a pas beaucoup de choses qui respawn. Donc du coup, d'un côté, ça m'arrange. Mais c'est vrai que niveau challenge,
J'aurais aimé un petit peu plus de dinos, mais ça, pour les prochaines aventures, les amis, on va prendre clairement un serveur dédié pour éviter ces problèmes. En Pokéball, le Megatherium, on récupère les ressources qui nous intéressent. Et là, on va tout simplement attaquer la cave où il y a le Crouch. Donc du coup, on ressort le Megatherium de l'autre côté. Au cas où il y ait des dinos, on va vraiment faire attention. On le sort le plus rapidement possible. Au loin, je vois juste un Arthroplura. Et je vois surtout l'artefact qui nous intéresse tout en bas. Du coup, avec le Megatherium, on descend en rapide. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, je me dis qu'au bout d'un moment, il est temps de sauter. Parce qu'en fait, j'avais un doute s'il y avait vraiment du vide comme dans une autre cave ou pas. Mais au final, non. Donc du coup, ça allait. On commence à prendre l'artefact. Et là, déjà, une première étape très importante dans cette aventure qui s'accomplit. Au passage, on croise du cristal. Je me dis qu'on va en récupérer. C'est gratuit. Ces petites boules de cristal en donnent vraiment beaucoup. Et là, sur le retour, pof, par magie, il y a énormément de créatures qui ont repop. Enfin, quand je dis énormément, il y en a pas mal. De la mantis, de l'arthro. Et ça, ça fait plaisir parce que ça nous fait pas mal de chicken pour faire de la cementing pass. On pokéball tranquillement le Megatherium à la sortie. On reprend l'argent Tavis et à nous la liberté avec tout plein de chicken et surtout l'artefact. Allez, mon petit argent Tavis, emmène-nous loin de cette grotte parce que je vous avoue que quand je suis dans une grotte, je me sens pas très très bien. Ah, on n'est pas bien ici, posé sur le toit? Regardez-moi cette magnifique vue. Et maintenant, il est temps de passer à un farm un petit peu plus conséquent. Après avoir farmé pendant un bon moment, on est parti chercher un golem pour pouvoir l'utiliser contre les dragons. Du coup, on trouve un level 10 dans les montagnes. Alors là, mon petit rocher, tu vas me suivre. Tu vas attendre bien gentiment à côté de la base que je revienne t'étamer. Allez, suis-moi, mon petit. Allez, et viens ici. Allez, hop, 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 plus vite que ça. Allez, attends-nous ici. Et là, les amis, on se fait enfin une forge industrielle pour pouvoir faire cuire le métal. Parce que franchement, les forges basiques, c'est vraiment très long et la galère. Et vu qu'on a besoin de beaucoup de métal, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. On pose une forge industrielle, un grill industriel pour faire cuire aussi de la viande. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est tout brillant. Ça fait plaisir, la viande va cuire aussi très vite parce que les feux de camp normal, entre nous, c'est un peu la galère. Du coup, on met tout le métal avec du bois dans la forge industrielle. Et là déjà, on sent qu'on va passer vraiment à la vitesse supérieure. Avec toute la gunpo et la cementing pass qu'on a fait, c'est vraiment déjà un bon avancement parce qu'il va nous falloir vraiment beaucoup de tourelles pour les prochaines étapes. On fait un coffre-fort pour pouvoir stocker un peu toute la merde parce que oui, je suis pas le plus grand dérangeur. Du coup, au moins, on va tout mettre dedans à l'arrache et au moins, si on veut quelque chose, on sait que ce sera là-dedans. On met plein de bois aussi dans la forge Indus pour pouvoir faire un maximum de charbon. On reprend la tronçonneuse et on a encore refait un maximum de bois. Il nous en faut vraiment un paquet parce qu'il va nous falloir pas mal de balles. À mon avis, ça va tirer beaucoup dans la Fire Dragon. Je vous réserve bien des surprises. Mais vous allez voir que ça va être vraiment très utile d'avoir un maximum du charbon. Du coup, c'est pas du tout du temps perdu. On met tout encore dans la forge. On la remplit bien comme il faut. On commence à se faire un canon avec des boulets de canon pour le golem. Et bien sûr, ce qui va s'en suivre, ça va être le tam du golem. Allez, viens ici, mon petit. Allez, suis-moi, allez, viens dans le petit piège. Ça va nous servir grandement à la Fire Wyvern. Pour le piège, ça va être très simple. On va mettre 4 piliers en hauteur avec un plafond au sommet. On va prendre tranquillement les échelles. On les met le long du plafond pour pouvoir monter tranquillement. Et une fois au sommet, on va mettre un canon pour pouvoir tout simplement lui tirer dans la tête. Parce que oui, il faut absolument lui tirer dans la tête pour qu'il prenne de la torpeur. Donc on le pose. Et entre vous et moi, ce golem a été une vraie catastrophe. J'ai perdu complètement l'habitude malgré mes 26 000 heures de jeu. Et je peux vous assurer que là, on a vraiment, vraiment galéré. On va lui mettre ensemble le dernier boulet de canon. Mais juste avant ça, on a vraiment galéré pendant très longtemps pour pouvoir le toucher
et le positionner. Enfin couché, on va aller le voir et je vais enfin être vraiment content. Parce que comme je vous l'ai dit déjà deux fois d'affilée, on a vraiment, vraiment galéré. C'était vraiment une nouvelle expérience pour moi parce que ça faisait trop longtemps. En attendant qu'il se tame, on prend le Megatherium, on va commencer à affronter les Vers des Sables pour essayer de choper le level 100 parce que oui, les tourelles lourdes sont au niveau 100 et entre nous, il me le faut absolument pour les étapes qui vont suivre. Et franchement, je suis assez surpris du Megatherium, comment il fait le café avec une saddle primitive sans imprint, il fait vraiment le café. Il défonce les Vers des Sables facilement quand il a le boost des insectes. Et franchement, c'est un pur régal, on prend full XP en 2-2, et en plus, ça nous fait quelques cornes pour des mantis, mais entre nous, dans cette aventure, on ne va pas tamer de mantis, mais au moins, ça fait un plaisir, et on atteint enfin le level 100, on peut faire des tourelles vie, et là, ça va envoyer de la patate. Bien évidemment, j'ai une idée de fou qui me vient en tête, avec tout le live, on s'est dit, est-ce qu'on va faire les œufs en papillon ou en tapejira? Ça a été voté pour le papillon. Après avoir cherché pendant très longtemps un papillon, on en trouve un. Bien évidemment, au moment où je le bolasse, je me fais agresser encore une fois par les Daéodons. Du coup, on va fumer ce cochon pour en faire de la bouillie. Je déteste les cochons, je vous assure, c'est la pire créature au monde. Quand ça t'aggro, ça te lâche jamais. On m'a donné une petite technique pour le papillon, je le bolasse et je lui mets une tente. Donc du coup, ça régale parce que le papillon, quand il s'envole, franchement, c'est une galère pour pouvoir le suivre. On le met dans la tente. On lui met des fléchettes et là, vous voyez, il s'envole, mais il est bloqué dans la tente. C'est vraiment une petite technique vraiment parfaite. Et franchement, entre nous, ça va être très marrant d'aller dans la Fire Wyvern avec ce genre de dino. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Ça va être une première, ça va être incroyable. On prend le fusil, on lui met 1 milliard de fléchettes jusqu'au moment où il s'endort. Et là déjà, ça fait vraiment plaisir. De retour à la base, on va commencer à refaire du matos, notamment des tourelles, pour pouvoir préparer le terrain pour la Fire Wyvern. Parce que oui, le plan, c'est de mettre des pods avec des tourelles pour pouvoir être cover quand on va ramasser des œufs. On fait un maximum de balles, de tourelles, des masques à gaz pour pas se prendre des boulettes de poison dans la tête par les wyverns. Regardez-moi déjà ce petit stock. Des tourelles, des balles, des masques à gaz, des structures. On a tout ce qu'il faut. On ramène le golem à la base, parce que oui, depuis le début, le pauvre, on l'a laissé au loin, même après Tam. On va le Pokéball et il va nous servir à le mettre devant nous au cas où qu'il y ait une grosse agression. De là, avec l'Argentavis, on commence à partir vers l'Obby Bleu, parce que oui, on va commencer au niveau de Stuffy. Et le papillon, bien évidemment, c'est encore pire que le kangourou. Pour le faire XP, c'est une vraie galère, on va pas tuer grand-chose avec ça. Du coup, on opte pour la solution de le faire XP avec des Explorer Notes. Comme ça, au moins, il prend de l'XP facilement. On va le monter principalement en stamina et en points de vie. Et comme ça, on pourra péter tranquillement sur les wyverns. Du moins, ça, c'est en théorie. Une fois qu'il a pris un peu d'expérience, on va direction la Fire Wyvern. Et là, on va poser un premier pot pour elle en début de faille. Et franchement, je suis pas très, très rassuré avec le papillon. Mais bon, on va quand même tester. Du coup, on met les tourelles en élevé, on les règle en toutes les cibles pour pouvoir qu'elles tirent dans tous les dinosaures. Et une fois que c'est setup, c'est parti pour l'aventure avec le papillon. On va commencer à regarder un petit peu autour de nous où il y a les wyverns. Il y en a déjà un paquet. Mais j'ai l'impression qu'en solo, il n'y a pas beaucoup de nids. Donc du coup, ça va être une vraie galère. On commence à prendre le fusil à pompe, on tire sur les wyverns. Et ça va enchaîner comme ça pendant un bon moment, les amis. Et je peux vous dire que dans cette faille, pendant cette aventure, on y est passé vraiment un bon paquet de temps. Ça a demandé énormément de temps. Vous n'êtes pas prêts de ce qui va se passer.
Après toutes ces péripéties dans la Fire Wyvern, on a chopé enfin un 990 électrique. Et franchement, ça fait plaisir. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais le plan des Wyvern, c'est d'en choper un maximum en électrique pour pouvoir faire le boss avec toutes ces Wyvern électriques et un Yuti. Oui, beaucoup ne connaissent pas cette technique et beaucoup craignent que ça passe pas, mais je vous réserve bien des surprises. En route, direction la base avec l'Argentavis. Et bien évidemment, on change pas les bonnes habitudes, on se prend une tempête de sable sur le retour, mais c'est pas grave, on y va tout doucement, tranquillement, à la base. Une fois à la base, on va commencer à renommer notre petit papillon la survivante, parce que je pense qu'elle mérite bien son titre. On met full torche, parce que pour les œufs de wyvern, pour les faire incuber, faut vraiment qu'ils aient très chaud. Du coup, on met plein de torches, on les allume, et c'est à nous l'incubation. Donc pour cette aventure, il y a tout qui est en x1, tout est comme l'officiel, sauf bien évidemment l'incubation et le breeding, qui est beaucoup plus rapide parce que je ne peux pas me permettre de faire du breed pendant 5 jours IRL sur des parties solo ou quand je quitte, et bien le jeu ne tourne pas. Et forcément, le challenge du breed n'est pas très important dans le sens où le vrai challenge, c'est d'aller chercher des œufs. Une fois avoir été incubé, on commence à clem les bébés. Bon, pour les wyverns de poison, ils vont pas trop me servir, mais on les fait quand même. Et là, on va tout simplement regarder notre Wyvern de foudre 190. Et je trouve qu'elle a des stats en vrai assez correctes. On aurait pu avoir mieux, on aurait pu avoir pire, mais c'est déjà un très bon début. Pendant ce temps-là, on prend notre Argentavis, on va taper du métal, comme d'habitude. Il nous en faut un maximum, parce qu'il nous faut encore des tourelles et des balles. Et donc du coup, le métal est toujours une denrée qu'on recherche. Donc on en fait un paquet avec l'Ankylo et l'Argentavis, pour pouvoir se remplir et être tranquille le temps du wipe. Le temps que les wyverns grandissent, on va tranquillement faire vraiment beaucoup de métal, on va faire même deux allers-retours, mais comme ça au moins on devrait être plus ou moins tranquille pour le reste de l'aventure. C'est vrai que j'ai beau en farmer, mais ça part tellement vite le métal, c'est vraiment la ressource qu'on consomme par excellence sur Ark. Le métal, on a toujours besoin, c'est incroyable. Regardez-moi ce beau stock de métal qu'on a fait. De retour à la base, on s'empresse très rapidement de mettre le métal dans la forge pour que ça cuise le plus rapidement possible pour qu'on avance clairement. On monte sur l'ankylo, on va dropper tout notre stock de métal. Comme ça, on va le choper très rapidement à la main ou au fouet, ça dépend de où ça se drop. Et là, on va tout mettre dans la forge. Allez, en avant mon petit métal, cuit tranquillou dans la forge. Avec tout le charbon qu'on a aussi, on va commencer à le sèche, mais on va refaire du bois à la tronçonneuse pour pouvoir avoir encore plus de charbon en avance et du bois. Et franchement, entre nous, la tronçonneuse, c'est vraiment trop bien sur Scorch. C'est vraiment un atout de Scorch. C'est à ce moment-là que Scorch est sorti avec la tronçonneuse. Et franchement, elle régale, elle me rappelle plein de souvenirs. De retour à la base, pareil, on va dropper full bois dans la forge pour pouvoir encore faire du charbon et donc de la gunpowder pour des balles de tourelle. Et voir aussi peut-être des balles de fusil à pompe, ça va dépendre. Mais c'est vrai que le pompe, on en a quasiment plus besoin. Du coup, on fouette tout le bois, on met tout dans la forge. Et là déjà, ça régale. On refait un deuxième tour de métal, comme je vous l'ai dit juste avant, pour se remplir vraiment. Parce que vu que là, il ne nous restait pas grand-chose à faire, à part attendre que les wyvernes grandissent, on va faire full métal, et encore une fois, toujours du métal. On rentre à la base. Et là, on va mettre tout le métal tranquillement à fondre. Et là, en attendant, un autre jour se lève sur le monde de notre aventure. Après avoir lancé un milliard de crafts et avoir posé un autre centre d'usinage pour lancer des balles pour que ça crafte beaucoup plus vite, les wyverns vont enfin grandir. Et là, ça va faire plaisir. On lance full ball. Et là, maintenant, les amis, on a enfin notre wyvern électrique. Et là déjà, ça régale, on va plus être en papillon. On va prendre des explorer notes pour la faire pex. Et on va commencer à aller tuer des vers des sables. Parce qu'on sait tous que les vers des sables sur Scorch, ça XP grandement. Du coup, on monte en stamina la wyvern. On va chercher des vers des sables. Et là, on va aller la faire pex comme il faut. Alors, il faut savoir une chose les amis. C'est que je n'ai pas l'imprint à cause d'un truc à la con. Donc voilà. Donc on tue des vers des sables. On commence tranquillement à monter de level. Et là déjà, on sent que ça fait plaisir. On sent qu'on a de la wyvern assez badass de ouf. Donc du coup, ça fait vraiment plaisir. On va la monter à peu près à 14-15 000 HP. On va la monter full dommage, un petit peu de stab. Et voilà, ça fait une wyvern qui fait le café.
On enchaîne les Vers des Sables. On va repartir à la Faya Wyvern. Et c'est reparti pour un tour pour essayer de choper des œufs à gogo. Mais pour vous dire la vérité, c'est que c'est la galère de choper des œufs en solo. C'est d'ailleurs pour ça que pour les prochaines aventures, on partira sur des serveurs dédiés. Parce qu'en fait, en solo, les nids ne spawnent pas correctement. Et du coup, on prendra vraiment des serveurs dédiés pour faire des aventures correctement, pour que ça spawn correctement dans les grottes, les œufs, etc. Du coup, on enchaîne la Faya Wyvern pendant un moment. On va essayer de choper un maximum d'œufs. Et là, le but, c'est de choper surtout des wyverns électriques pour avoir des femelles et pour pouvoir lancer full breed pour pouvoir en faire un maximum. Il me faut absolument 19 wyverns électriques avec un UT pour pouvoir lancer le boss en alpha. On enchaîne encore une fois la faille. Une fois qu'on a fait tous les œufs, on va direction lobby bleu pour commencer la deuxième grotte pour l'artefact. Une fois arrivé devant l'entrée avec la wyvern, on va tout simplement prendre notre mégatherium et on va attaquer la grotte. C'est une grotte que je connais par cœur, donc ça fait plaisir. On sort le mégatherium et c'est parti. Je commence à sauter. Le mégatherium, bien évidemment, il tombe dans l'eau. Déjà, ça commence mal. Je pensais que ça passait, mais non, heureusement qu'il y a une petite rampe sur le côté. On monte tranquillou et on va enchaîner directement un peu plus loin dans la grotte les quelques dinos qu'il y a. On enchaîne les mantis, etc. Un petit golem sort, donc ça c'est des golems miniatures. Ils jettent des petits rochers, il n'y a pas de souci, on va partir en courant. On va tuer les dinos qu'il y a devant nous. Et là, on va voir un deuxième golem qui spawn devant nous. On va finir de tuer tous les dinos autour de nous. Et le deuxième golem qui va nous embêter fortement, on va le troller, il n'y a pas de souci, on sait comment s'en débarrasser. On va aller de l'autre côté de la berge et voilà, coucou je panier des golems, allez au fond du lac, vous n'allez plus m'embêter. Allez hop, le deuxième aussi, fais un petit saut, allez hop hop hop, voilà, merci beaucoup, tu ne nous embêtes plus. On tue les dinos qui restent et on va arriver à la salle de l'artefact. Et là ça fait plaisir parce qu'on arrive à notre objectif, on a déjà deux artefacts sur 3 pour lancer le boss. Il manque plus que les wyverns, le troisième artefact et on est parti pour lancer le boss les amis. Du coup on récupère le deuxième artefact une fois qu'on va tuer tous les dinos autour qui le protègent. On a même une petite mantis qui va nous sortir de la droite tranquillou. On va remonter sur le petit mégatherium, on tue la mantis et là on récupère enfin le deuxième artefact. Là déjà on sait qu'on arrive sur des étapes qui sont importantes pour l'objectif de l'aventure. On ressort de la grotte, on pokéball le mégatherium et on reprend toutes les ressources qui nous intéressent, mais il n'y a rien du tout. On prend la wyvern et on va commencer à aller de nouveau à la Faya Wyvern pour essayer de choper des œufs. Et c'est toujours une galère, les œufs ne respawnent pas malgré une ou deux heures de jeu, il n'y a rien du tout. Alors que normalement, quand tu vas d'un bout à l'autre, les œufs respawnent et c'est très rapide. Du coup, on enchaîne sur le troisième artefact qui est dans l'église, dans le désert. On rentre dedans avec la wyvern, on la laisse à l'extérieur. Et c'est parti une nouvelle fois pour le troisième objectif et le dernier artefact pour pouvoir lancer le boss. On prend le mégatherium, on le sort dans le couloir. Et là, on va enchaîner tous les dinos tranquillou. Franchement, ça passe crème. Et dites-vous que vraiment, le mégatherium fait toutes les caves alors que c'est un petit mégatherium level 90. C'est même pas un 150, franchement, il fait le café. Et merci beaucoup à toi, mon petit nounours. On tue tous les dinos qui se trouvent, les mantis, les chauves-souris, etc. Et là, on va commencer à pouvoir avancer jusqu'à l'artefact tranquillou. On pokéball le mégatherium parce qu'il peut pas passer et parce que forcément, c'est du vide. Du coup, on saute et là, on fait super gaffe parce que la moindre faille, c'est mort instantané dans le trou d'en dessous. Donc voilà, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc on prend l'arbalète grappin dans les mains, mégatherium dans la barre rapide au cas où il y a un dino qui nous saute dessus. On prend l'arbalète, on grappin le plafond et c'est parti pour aller de l'autre côté. On sort direct le mégatherium avant qu'on nous agresse. On commence à tuer toutes les mantis aux alentours. D'ailleurs ça nous fait pas mal de chitine même si on n'en a plus besoin. On tue le petit mégalania, les titanoboa, les arthropleura, tous les dinos qui se trouvent devant nous assez facilement. Franchement, un mégatherium avec le boost des insectes, c'est vraiment un régal. Ça tue tout très très rapidement. Un petit loot rouge où on chope un beau fouet avec une petite tronçonneuse légendaire. On va pas cracher dessus, même si j'aurais préféré un fusil à pompe.
Et là, un petit golem nous ressort du sol. Et vous savez normalement ce qu'on la réserve, mais lui, on va le laisser tranquille. Du coup, on court directement au troisième artefact. Enfin, le troisième artefact, ça fait plaisir. Du coup, on ressort de la grotte tranquillement avec la wyverne. Et là, on va directement repartir à la Fire Wyvern, mais aucun œuf encore, après plus de 2 heures de jeu supplémentaire, n'est réapparu. C'est vraiment une catastrophe. Du coup, on décide d'aller chercher le UTHL. On va commencer à le mettre dans mon piège en 2x2 en pierre. Il rentre dedans et là, on va lui mettre plein de fléchettes tranquillisantes dans la tête. On l'enchaîne et d'ailleurs, je ne me rappelais pas qu'un UTHL c'était autant de flèches, mais c'est bien au moins 60 ou 70 fléchettes. Du coup, on est arrivé à court. Mais heureusement, avec les dernières qui restaient, on a réussi à le coucher. On repart à la Fire Wyvern, et comme d'habitude les amis, on change pas d'habitude, du moins des bonnes habitudes, on tombe dans les pommes, et en plus on est en pleine tempête de sable. On reprend la Wyvern, on repart chercher encore des œufs, si après tout ça, il y en a qui ont respawn, et franchement, il n'y a toujours rien, c'est une catastrophe. Du coup on tue un mouton, on prend de la viande à mouton, et on va tout lui mettre au UTI. Et c'est vrai aussi que je me rappelais pas qu'un UTI, ça met vraiment du temps à s'apprivoiser. Genre, il gagne par viande de mouton, même pas 3%. Donc du coup, on attend tranquillement qu'il soit tame. On repart encore à la Fire Wyvern pendant ce temps-là. On essaye de choper des œufs, mais rien de très concluant. Du coup, on en chope juste un petit, en espérant que ça soit une femelle. Et je me rends compte qu'après des heures et des heures, il y a quasiment pas qui respawn. Et ça, franchement, c'est grave embêtant parce que du coup, c'est pas du tout comme l'officiel au niveau du respawn des œufs. J'ai essayé de trouver des paramètres, mais il n'y a rien qui change. Donc, je sais pas comment on résout ce bug. D'ailleurs, s'il y en a qui le savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, avec la wyvern, on enchaîne encore les wyvern à fond. On essaye de faire respawn la femelle. Et là, heureusement, c'est une petite femelle. On avait pour objectif de faire 19 wyvern électriques. C'était quasiment une chose impossible. Étant donné que les œufs ne respawnent pas, du coup, nous voici avec notre armée. On a opté pour la solution de faire spawn des wyverns entre le level 170 et 190. On avait fait tous les challenges que nous voulons. La Fire Wyvern, nous sommes partis 40 fois dessus. C'était plus un problème. Nous savons que nous allons plus mourir. Juste le problème des œufs qui ne respawnent pas nous met vraiment dans la merde parce que tout simplement, eh bien, ça faisait 60 heures de gameplay et on n'avait quasiment pas eu d'œufs. Donc du coup, on va tout simplement faire XP les wyverns pour abattre le boss comme on l'entend. Ces wyverns là, vu qu'on les a fait spawn, j'aurais pu faire apparaître des œufs et avoir l'imprint. J'ai préféré ne pas avoir d'imprint, vraiment la jouer le plus simple possible. Du coup, elles n'ont pas d'imprint, elles sont vraiment à l'état sauvage comme avec des œufs. Sauf que bon, normalement on peut avoir l'imprint, mais là, pas du tout. Donc du coup, elles sont encore plus faibles que la moyenne. Donc on les fait pex pendant un moment. Je sais qu'il y en a qui me diront « t'as triché », mais les amis, au bout d'un moment, quand on a fait tous les challenges de la carte, quand on a fait 1 milliard de fois la Fire Wyvern, nous savions très bien que nous allons plus mourir et que les œufs ne respawnent pas, c'était trop galère. Sachant que franchement, en jouant 4-5 heures, s'il y a un œuf ou deux qui respawnent, c'est déjà énorme. Alors choper des levels 170 et plus, c'était quasiment mission impossible. On n'était pas là pour faire 150 heures de gameplay IRL. Donc on a préféré faire cette solution et je sais très bien que 95% des gens comprendront très bien qu'on a très bien réussi cette aventure légitimement. Donc on a pris toutes les wyverns en follow et là on est parti pour tester le boss les amis. Enfin le boss qu'on attendait depuis tant de temps. Franchement c'était une aventure épique et je vous laisse découvrir ce qui va se passer. On les prend en follow. Allez, suivez-moi, petite wyvern, notre petite armée. Let's go à l'obélisque rouge avec les compos du boss. On va se poser. On va essayer de toutes les mettre pour qu'elles rentrent au mieux qu'on peut. Franchement, c'est une belle galère vu la taille des wyverns. Mais c'est quelque chose qui fait kiffer. Après plus de 60 heures de gameplay, on mérite largement ce moment et on va le savourer ensemble les amis. Je vous garantis, donc kiffez ce moment parce que ça va être incroyable. On prend toutes les wyvernes, on les met tous alignés. Et franchement, là déjà, on a bien galéré, mais on les met par-dessus, on les fouette. Ils sont en train de flotter, mais c'est pas grave, tant qu'elles sont dedans, c'est parfait. Et là, on lance le boss avec le UTI qu'on a caché par là. Et là, on attend. On sait que c'est le moment épique de notre aventure. On sait que c'est maintenant que ça va se jouer.
Tout le monde me disait que ça va pas marcher. Alors d'après vous, est-ce que ça va marcher ou pas les amis? Avec des Wyvern qui n'ont pas d'imprint, qui sont complètement éclatés. On va les mettre en agressif et vont tirer sur la Manticore. Je vous laisse découvrir ça. Mais là les amis, on est dans une ambiance euphorique. On est à la fin de l'aventure et c'est maintenant que le boss se joue. Je vous quitte sur ça, je vous laisse le combat en entier sans montage pour que vous voyez bien comment ça s'est passé. J'espère que vous allez kiffer ce moment les amis parce que ça représente plus de 60 heures de gameplay. Toutes les wyverns à un nom d'un viewer, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch régulièrement, faire un petit coucou. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et kiffez vraiment ce moment les amis. Et j'essaierai de m'améliorer de plus en plus et les vidéos seront de plus en plus régulières. Normalement, on est parti pour du 2 vidéos par semaine. Bon combat et à très bientôt et merci à tous pour votre soutien.